Je pense que tout le monde l'a reconnu, c'est Always Somewhere de Scorpion. Alors là, je vais vous montrer le vrai détail de cet arpège. Pas si compliqué que ça, mais où on a tendance à oublier des notes dans cet arpège. Donc, on va commencer. Donc, au départ, vous démarrez donc en Do, en fait, avec les bases, en partant du La. L'accord de Do que vous gardez, bien sûr. Vous allez jouer non pas la dernière corde d'arpège, mais vous allez jouer l'arpège dans les trois cordes ici. Donc. Il vous fait, on va dire, 7 notes dans l'arpège après la basse. 1, 2, 4, 5, 6. Ensuite, on va passer en sol. Donc, du Do, on a fait la basse. 1, 2, 3. On passe en sol. Le sol classique. Donc, ça va nous donner donc. La base du Do, on arrive en sol, on fait la base du sol, celle-ci. Donc. Et vous comptez toujours 7 notes après la basse. Hein. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, ça change. On va arriver dans cet accord-là. Cet accord-là, je vais montrer la position des doigts, je ne sais pas si vous voyez. Hein, donc, là. Je vais nous faire. Donc là, vous jouez juste la base de l'accord, vous voyez, pour remonter. On prend le but du début, donc. Ensuite, on enchaîne par la petite, le petit changement de cet accord, donc vous étiez comme ça, les doigts, donc on marquera bien, hein, et là vous allez tout simplement passer en levant celui-ci, en mettant celui-là ici. Dans la mineure. Bon, on le refait donc dans le Do. Thank you.
Alors là, ça va vous donner donc. Deuxième partie, donc c'est la même chose, sauf qu'on va passer directement du sol au la mineur. Donc. Donc la deuxième partie, ça nous fait donc pareil que là, on passe du sol, non pas aux accords ici et là, on passe du sol directement au la mineur. Bon, on prend le but du début donc.